Ils ont travaillé ensemble pendant plusieurs mois et se retrouvent aujourd'hui pour le résultat. Des jeunes collégiens, d'autres en situation de handicap, réunis pour un projet commun, une comédie musicale. Chacun y trouve sa place et parfois plus. Je suis très content de revenir ici en tout cas. J'ai bien aimé et toutes les collégiennes, elles étaient vraiment sympas avec moi. À Valentin, on a une relation de meilleurs potes, on va dire ça comme ça. Bah, c'est... J'allais dire c'est mon petit frère, mais non, il a 4 ans plus que moi. C'est mon grand frère, mais je l'ai aidé. C'est Valentin. L'heure est à la découverte du film réalisé pendant l'année. Le fait de se revoir ravive quelques souvenirs. On a pleuré, on a rigolé, on a hurlé, on était énervés, parce qu'on n'arrivait pas, on était fatigués en plus. Non, c'était incroyable. J'avais un peu envie de pleurer, alors c'était émouvant. Je pensais pas que j'allais autant être proche des IME et m'entendre bien avec eux comme ça. Et vraiment, j'ai fait de belles rencontres et c'était beaucoup trop bien. J'étais très content et j'avais bien réussi à chanter, c'était bien en vrai. Ah bah oui, ça m'a envie de recommencer. Un échange bénéfique pour tous les acteurs du projet. Ils ont très vite compris ce qu'ils pouvaient en tirer, eux aussi, parce qu'on se dit souvent, les arts inclusifs, forcément, les jeunes en situation de handicap, eux, c'est tout bénéf pour eux. Et ce qui est important à dire, c'est que non, le bénéfice, il est à double entrée, c'est-à-dire que les jeunes du collège saisissent aussi l'opportunité, ce qu'est l'entraide, ce qu'est le tutorat, comment on peut travailler avec ces jeunes-là, comment on va placer notre parole différemment, notre regard. Et c'est vraiment, l'éveil, de la bienveillance, c'est ces mots-là qu'on a découvert au niveau du collège. Voir ce film, c'est aussi l'occasion de réaliser le chemin parcouru ensemble. Effectivement, ils ont eu l'expérience de chanter ou de danser devant tout le monde, c'est un fait, mais de se voir à l'écran, ça a un effet thérapeutique aussi, de se dire, dis donc, si c'est moi qui ai fait ça face à autant de personnes et c'était un succès, je pense qu'effectivement, c'est très très valorisant pour chacun des jeunes de l'IME, mais aussi pour ceux du collège. Le projet est une réussite. Le documentaire donne d'ailleurs envie à de nouveaux jeunes de rejoindre la troupe pour le spectacle de l'an prochain.